se retrouve pour Kerry James. Donc ici, Comeback, extrait de son tout nouvel album qui va sortir le 16 novembre. Le titre c'est Je rappe encore. Tant mieux pour lui. Mais c'est parce que voilà, je t'ai dit, c'est un ancêtre dans le rap game. Mais il se sent vieillir ou bien? Bah sûrement, parce il que... Fait, il fait peut-être le point sur lui, donc il dit, en ayant écrit cette chanson, il dit, ben voilà, malgré, ben je rappe encore. C'est ça. Peut-être. On se lance ça tout de suite, c'est parti. Je rappe encore, suis-je le rappeur le plus hardcore? Je ne cherche pas le crossover, ma voix est trop vieille pour le vocoder. La plupart des rappeurs ont baissé. C'est une vieille voix, hein. Moi je dénonce le système, une vieille voix. Non, tu dis pas ça méchamment. Non, non. Skyrock les amis à genoux, comme l'Occident devant Netanyahou. Tu vois, je rappe encore. Ouais. Malgré les plus durs et les coups de couteau. Ah, je fais ça aisément. C'est fou. Sur un thug, je suis dans mon élément. J'ai comment effacer les preuves. Si je croyais pas en Dieu, j'aurais fait des vœux. Je connais les règles du jeu, alors fais pas le thug. Tu te feras rafaler à la sortie d'un club. Viens pour faire le show ici. Comme ça. Plus crédible que la France qui menace la Russie. Les rappeurs sont devenus mous. Je me suis endurci, je pourrais te refaire le portrait Steve Kai James de Fancy. Mais moi je rappe encore, boum boum bang bang bing bing. Je t'envoie dans les. Il est dangereux ce parking quand même. Les chroniqueurs hip-hop qui deviennent trop confiants. Vous pourriez vous faire chiffler par un rappeur conscient. Bon vieux ça prend hein. Tu restes c'est un c'est manqué hein. Oubliez-moi, il n'y aura ni pleurs ni plaisir. Je fais ce truc depuis que je suis mignon. Je compte durer. C'est fini. Non, je suis sûr il rappe encore. Pays gouverné par des banquiers. Chacun a sa place sur l'échiquier. J'informe les masses, vous polémiquez. Pouvoir et médias sont imbriqués. Dangereux comme l'essence près d'imbriquer. Ma vie fleur est au chant des sirènes. J'ai pas eu la même enfance qu'Eindhoven. Si je crie encore ma douleur est belle, c'est que j'ai sûrement du sang d'esclaves dans les veines. La même vision de l'homme mort que Jules Ferry. On survit en France ou on libérie. Je suis parti du parc comme Franck Ribéry. Et leur combat ne manque à guérir. 20 ans après j'ai encore le mort. Jusqu'à la mort ou jusqu'à la mort. Je fais du match. Eh ben, il est fort. C'est une ambiance très, très spéciale. Et aussi, une voix une voix vraiment... une voix cash comme ça. Tu sens vraiment que c'est un type qui il vit son rap complètement. Quoi. Carrément. Comme quand il chantait Pays de merde. Pose la même question aux Vietnamiens, les États-Unis diront que c'est un pays de merde. Eux, ils vous ont botté le cul, leur slogan sale cowboy retourne dans ton pays de merde. Mais tu vois vraiment que. Allez, il donne cette trip quand il chante, quoi. Hein. Ici, ça m'a pas déplu du tout. T'as préféré celui-là ou PDM? Je préfère celui-ci. Et puis tout le monde qui veut la battre, et puis il meurt pas, quoi. C'est quelque chose de génial. C'est vrai que ce parking, ouais. C'est une aventure. Hein. Bah oui, mais je n'irai jamais garer ma voiture dans ce parking. Là. Non, hein. D'ailleurs, ça me rappelle beaucoup le clip de Childish Gambino. This is America. Don't catch you slipping now. Don't catch you slipping now. Un peu le même type de aller de scène rock où donc il marche, la caméra qui le suit et alors il se passe des trucs pendant qu'il marche tout simplement. Tour de lui. Et donc c'est plutôt original je trouve, ça change vraiment de tous les autres clips de rap qu'on puisse voir. C'est machiavélique, je sais pas, macabre. Bah ouais, lugubre et en plus il dit des vérités. Il dit voilà, il a un texte aussi très très dur donc c'est vrai que tout et en plus allez, le fait de tirer dessus. C'est très dur quoi. Déjà avec PDM c'était déjà pas triste, mais ici ça te fout même la trouille quoi. Franchement, t'écoutes ça, t'es traumatisé. Et après, tu dois aller chercher ta voiture dans ce parking là, je sais pas, mais. Et là, comme tu disais, peut-être que le fait que, bah, qu'il tire sur lui, bah, c'est peut-être les coups durs qu'il a encaissés dans la vie, tu vois. Et malgré tout ça, il reste dans sa lane. Il continue à rapper. Et donc, mais ici, il essaye de faire un comeback. Tu vois, il essaye de fracasser le rap game. Ah, de venir en toute puissance. Ah, ça oui. Tout hein. Casser. Il casse tout là. Et c'est pour ça que, bon, c'est son précédent là, qu'il avait fait, genre par exemple PDM. C'est des sons aussi très très lourds. Mais je pense que ici, le son là, je rappe encore, aura beaucoup plus d'impact. Mais c'est bizarre parce qu'on pourrait se dire, allez, avec l'âge, bon, ça s'agit un petit peu, quoi. Et avec lui, c'est le contraire, hein. Carrément. Là, il revient avec des trucs, vraiment, c'est un petit film d'horreur, quoi, je sais pas, hein, mais...
franchement, il revient avec des trucs allez, insensés, quoi. Des clips insensés, des textes extra durs, une musicalité aussi qui fait peur, hein, je sais pas. Moi, ça s'en fout les... T'es tellement traumatisé que tu sais les jetons. Dire. Bah oui, ça fout les jetons, parce que c'est une ambiance, que ce soit même visuel ou audio, c'est dingue, quoi. Et c'est bien qu'après tant d'années, ils soient toujours capables de faire du rap pareil, quoi. Et limite, même encore mieux. Faut pas demander quand il aura 50 ans. J'ai peur. C'est ça, plus il va monter, plus il est dangereux. D'un cran. Mais là, j'ai hâte d'aller monter d'un cran, vraiment. Je sais pas, mais en tout cas, c'est... Là, je veux dire, c'est... Allez, c'est extra, extra dur, mais malgré tout, extra chouette à écouter, parce que, je sais pas, là il a réussi. Hein. Parce que c'est vrai que si tu veux faire quelque chose, même du rap dur, il faut le faire aussi d'une façon allez, intelligente, quoi. Hein. Donc il suffit pas de dire quelques mots comme ça brut, et puis t'as des revolvettes, là, la police qui arrive, et puis t'as de la drogue, tout ça. Mais ici, allez, tout se passe dans un parking, donc un univers déjà un peu... Allez, un univers normal, quoi, un parking, tu gardes ta voiture, et puis tout commence là, tu te dis, allez... Mais ici, il a bien réussi, parce que c'est vraiment, le tout est dur, quoi. Voilà. Vraiment, aussi bien la vidéo que ses paroles, que la musique est aussi lugubre, donc vraiment, là, il a réussi, il nous a fait vraiment quelque chose de complet, et il a fait ça intelligemment, parce que franchement, c'est comme un film de... Je dirais même d'action, d'horreur, enfin, je ne sais pas comment on peut s'exprimer là-dessus, mais c'est un petit film avec une intrigue, parce que tu te dis, ouais, mais qui tire, qui veut sa peau. C'est vrai que tu te poses plein de questions. Peut-être des événements qui se sont passés dans sa vie. Dans sa, voilà. Mais qu'on ne sait pas. Voilà, ou c'est imagé d'une façon que lui, voilà. Il a transposé ça avec des images beaucoup plus dures, parce que je suppose que chaque fois qu'il va garer sa voiture, on n'essaye pas de tuer quand même. Hein. Donc il a peut-être transposé des choses comme Pays de mer, c'est vraiment des choses qui font mouche et qui font cache, vraiment que... Je sais pas, hein, mais franchement, là, c'est un petit truc d'Hollywood, quoi. Et alors, voilà, encore une fois, c'est du rap dur, mais tu sens que c'est pas juste du rap dur pour être dur, tu vois. Bah non, parce qu'il dénonce tellement de choses dans le texte, il dit des vérités, et en plus de ça, il a un charisme, tu vois, il a un charisme, et tu sens qu'il a du vécu. Et il a un, allez, comme tu dis, il a un physique, voilà, t'as pas intérêt à t'y frotter, quoi. Hein, voilà, un genre de 50 pas, Cent français. Oui, voilà, c'est ça, 50, oui, tout à fait. C'est vrai qu'on pourrait, parce que même, allez, ce rappeur-là, pour moi, il pourrait même jouer dans un film, hein, comme 50 Cent, hein, ils ont la carrue, ils ont la prestance, et en plus... Allez, quelle voix, hein. Une voix vraiment qui fait peur aussi, parce que c'est vrai que c'est une voix vraiment dure comme ça, hein. Non, franchement, là c'est une réussite dans le rap dur, hein. Et heureusement qu'il rappe encore, hein. Mais je me dis aussi, si toutes ces chansons sont aussi dures que ça, il faut être il faut s'accrocher, hein, parce que... En tout cas, dites-nous, vous, ce que vous avez pensé du son et de la vidéo. Si vous avez aimé, mettez un petit like et on se capte la prochaine fois. Ciao. Suis-je le rappeur le plus hardcore? Je ne cherche pas le crossover. Ma voix est trop virile pour le vocodeur.